Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Cité Esprit Investisseur. C'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Aujourd'hui, le cinquième épisode de mes pires anecdotes dans les ventes aux enchères immobilières. Jusqu'à maintenant, si vous n'avez pas regardé les quatre premiers épisodes, allez y jeter un coup d'œil. Je donne euh, sacrément d'informations. Je vais vous parler d'un cas qui m'est arrivé en 2017 et, et franchement. Euh, quand je la raconte encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à me croire, mais pourtant elle est bien vraie. Un jour, je vois une annonce, un terrain à Paris. Paris intramuros, dans le 15e arrondissement. J'ai dit, mais attends, ça existe encore des terrains à Paris. Donc j'ai l'adresse, je clique sur l'adresse sur Street View, où je me balade. Effectivement, je vois un terrain. D'ailleurs, je vous mets une petite photo du terrain au moment où j'avais vu l'annonce. Il y a bien un terrain vide où la végétation a repris un petit peu ses droits. Il y a des barrières sur la façade, mais il y a bien un terrain. Et là, je me dis mais attends, c'est quand même incroyable. Il faut que, faut que je me positionne sur ce, sur ce bien. C'est quand même assez exceptionnel. Je trouve des associés pour ce projet. Voilà, c'est un projet à plusieurs millions d'euros, mais je J'arrive à trouver des associés fortement intéressés et qui veulent me suivre sur ce projet. Le plus incroyable, c'est pas tant qu'il y ait un terrain à vendre à Paris que vous allez comprendre ce qui est le plus incroyable. Je commence à étudier le terrain. D'une part, le PLU, donc ce qui est constructif, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. J'ai un ami architecte avec qui on allait bosser pour ce projet. Il m'a aidé dès le départ pour étudier ce qui était possible, la hauteur, le nombre de logements, etc. Et je me rappelle à ce moment-là, à Paris, il y avait une loi qui venait de passer, qui est toujours de, de vigueur, où euh, en fait les places de parking n'est plus Obligatoire à Paris. Pour ceux qui ne le savent pas, tu peux construire des logements avec zéro place de parking à Paris. Ça paraît assez fou, assez incroyable, mais dans la politique de Paris où ils veulent éliminer les voitures, ne plus en avoir, etc., c'est compréhensible. Et c'était au moment où la loi avait euh, venait de passer. Donc on étudie d'une part le PLU et moi j'étudie ce qu'on fait à chaque fois quand on achète un bien aux enchères, le cahier des charges. Qui est le propriétaire, à qui il doit de l'argent, combien il doit de l'argent, etc. Et c'est là où en feuilletant le cahier des charges, on s'aperçoit de quoi Que le terrain appartient à un pays. Donc c'est un pays qui est endetté et à qui on saisit un terrain dont il est le propriétaire à Paris. Dans le cahier des charges, on a aussi euh, les lettres de mise en demeure reçues pour payer la dette, etc. Et on avait mise en demeure monsieur le président de mm -mm, le pays, adresse la capitale. Et je vais dire n'importe quoi. Euh, mise en demeure de payer à monsieur euh, Joe Biden, adresse... Washington, c'était ça. C'était pas les États-Unis, vous l'avez bien compris, c'est un pays pauvre. J'ai pas envie de dire son nom pour pas l'entacher, mais ça me paraissait fou. Je me disais putain, un, un pays doit de l'argent, et en, en l'occurrence, ce pays-là, cette ambassade-là devait de l'argent à un cabinet d'avocats anglais. Je me rappelle, c'était 300 000 sterling. Les Anglais ils n'ont pas blagué, hein. Ils leur ont fait saisir le terrain. Donc c'est ça qui est le plus fou, c'est que même un pays aux enchères peut être saisi. Donc pour la petite histoire, ce terrain, voilà, moi je l'ai étudié, j'ai réuni les investisseurs, on avait même sorti les de banque pour participer à la vente de ce terrain et en 2017 ce terrain la vente a été annulée le jour de la vente c'est aussi une des raisons pour lesquelles aux élèves de l'incubateur notamment euh, je, je préconise de sélectionner toujours au moins deux annonces d'un même jour de vente pour ne pas rentrer bredouille en cas d'annulation d'un bien en l'occurrence ce bien là avait été annulé et franchement c'était une des pires déceptions que j'ai eu d'annulation des annulations on a tous tout le temps, si vous, vous lancez des biens qui vous intéressent, ça va arriver qu'ils vont être annulés. Mais si je dois en classer un où vraiment j'ai été dépité, c'était pour ce projet-là parce que je m'étais vraiment avancé dans les études. J'avais déjà les avant-projets sommaires, le bâtiment que je voulais construire, etc. J'avais limite commencé à trouver des artisans, des entreprises pour construire la maison, etc. Mais en plus, j'avais déjà le maître d'œuvre, l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Pareil, j'ai un ami d'ailleurs avec qui j'avais euh, tourné une vidéo, Pierre Marbési, euh, que vous avez dû voir dans une vidéo que j'ai tournée il y a 3-4 ans. Donc c'était vraiment carré jusqu'à... Bah, le jour J, on nous annonce que c'est annulé. J'étais vraiment très dégoûté. Pour... Votre information, ce bien-là, ce terrain-là est revenu en vente en 2023. C'est revenu en vente. Cette fois-ci, j'ai pas réussi à trouver les investisseurs qu'il faut. Voilà, tout est une question de temps, de timing. Ça a été vendu 2 800 000 euros, ce terrain-là. C'est un terrain de 180 m. Vous allez me dire, putain, mais 180 m, c'est tout petit. Il y a des gens, ils ont des appartements de 180 m. Là, c'est un terrain qui fait 180 m. Il y a une emprise au sol de 75 ou 80% à Paris dans ce secteur-là. Il me semble que c'était 75%. Donc, tu pouvais construire sur 75% de 180 80 mètres carrés, t'as pas besoin de faire de sous-sol ou de place de parking, etc. C'est ça aussi le gros avantage de Paris aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très très rare un hein. des terrains. Il y en a, il y, y en a pas à Paris. Hein. Il faut les créer, les terrains en démolissant des anciens immeubles, etc. Mais on pouvait construire sur 7 étages deux appartements par étage. Donc, c'était des T2, T3. Je crois que c'était un T2 et un T3 par euh, niveau. Tu pouvais vraiment euh, construire un truc sympa ou alors faire sept grands appartements plus au rez-de-chaussée, je crois qu'un petit studio, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment un truc qui valait le coup. Moi, quand je faisais mes calculs, ce terrain-là sur le marché, même si tu construis pas, je pense que tu peux revendre ce terrain-là à 3,5 millions d'euros. Donc, le type qui l'achetait 2,8 millions, je pense, je suis quasiment sûr qu'à 3,5 millions, il peut revendre tout de suite. Et je crois qu'en chiffre d'affaires, on parlait d'un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros de revente avec euh, les appartements. pour un est pas très grand ça c'est un truc en coût de construction t'es à un million et demi un million huit mille euros donc avec l'achat du terrain il y a quand même une bonne marge mais voilà la leçon à tirer de cette vidéo c'est que même un pays peut être saisi aux enchères et on peut revendre un de ses biens aux enchères donc voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en tout cas moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo pour le dernier épisode l'épisode 6 ne loupez pas cet épisode allez ciao ciao